Les méthodes Giroud, comme les gens l'appellent, et il m'avait confirmé hein, qu'il était, il allait voir. Je crois qu'il mettait des antivols. Enfin, il nous a raconté plein de trucs, surtout. Il aimait pas trop que vous sortiez en boîte de nuit, je crois, à l'époque. C'est vrai, ça? Il est vraiment. C'était plus l'époque Cantona aboli. L'histoire du cadenas sur la mobilette abolie. Il mettait des cadenas pour pas qu'ils sortent en boîte. Ouais. L'histoire de. Après, les joueurs, ils avaient trouvé des. Ils arrivaient à sortir. Et ils avaient des deals avec les videurs. Et le DJ, donc quand le coach arrivait dans la boîte, il mettait une certaine chanson et tout le monde se barrait, tu vois. Sauf que le coach, lui, c'est ce qu'il dit. Tu parles de Giroud, là? Ouais, Giroud. Il venait en boîte lui-même? Ouais, je te parle d'il y a 30 ans, il était 30 ans plus jeune quand même. Non, mais bon, il allait juste pour les chercher. Ah, mais clairement. Et les videurs, les laissaient rentrer? Au CER, c'est à lui.